Bienvenue sur la chaîne TBN francophone, la télévision de la bonne nouvelle. Nous sommes ici dans le Cardo et nous avons parcouru ensemble les rues du quartier juif, la vieille Jérusalem, composée de quatre quartiers, le quartier arménien, le quartier arabe, le quartier chrétien et le quartier juif, où bien entendu ça respire le calme, la tranquillité et la sérénité. Nous sommes donc dans le quartier juif qui est l'un des quatre quartiers traditionnels. Il est dans la partie sud-est des murailles de la ville et s'étend depuis la porte de Sion au sud et longe le quartier arménien à l'ouest jusqu'au Cardo au nord et jusqu'au mur occidental et au mont du Temple à l'est. Le quartier juif a une histoire bien particulière, une histoire riche d'une présence juive. Nous le savons tous, lorsque Adrien a envahi la ville en 132-135, il va bien entendu y chasser tous les juifs et interdire toute présence juive dans ce quartier. Nous savons que dans le temps, 2000 juifs à peu près sont revenus s'installer ici et en 1948, ils ont été à nouveau chassés de ce quartier juif et pour ne plus y mettre les pieds, si ce n'est après la libération de ce quartier par les parachutistes israéliens au cours de la guerre des Six Jours en 1967. J'aimerais attirer votre attention sur ce lieu que l'on appelle le Cardo, Cardo Cardia, cardiaque. Le cœur, c'est le cœur de la ville. Nous savons que nombreux sont les sites historiques et archéologiques qui ont pu être excavés grâce à une mosaïque que nous avons retrouvée dans un des villages de Jordanie, Medeba, qui est l'ancienne ville moabite, dans ce qui s'appelle aujourd'hui la ville de Madaba. Eh bien, on a pu excaver une mosaïque d'environ 750 000 pièces. À l'origine, elle était composée de 1 million de pièces, mais lorsque des moines en ont fait la découverte, ils ont ordonné la construction d'une grande église au-dessus de cette mosaïque qui a été malheureusement abîmée par les ouvriers. Et d'une mosaïque d'un million de pièces, il n'en est resté que 750 000. Et gloire soit rendue à Dieu de ce que la partie concernant la ville de Jérusalem a été préservée, ce qui nous a permis, et ce qui a permis aux archéologues israéliens et venus même du monde entier de pouvoir excaver des lieux extraordinaires dans toute cette ville, dans toute cette vieille ville de Jérusalem. Devant ce qu'on appelle la carte de Madaba. Madaba, c'est une petite ville qui se trouve en Jordanie, au nord-est de la mer Morte. Et c'est une ville qui est majoritairement chrétienne en Jordanie. Au début du XXe siècle, quand ils ont voulu reconstruire l'église Saint-Georges dans la petite ville de Madaba, les machines qui ont fait les travaux ont heurté un sol en mosaïque très ancien qui constituait le sol en mosaïque d'une ancienne église byzantine. D'ailleurs, en commençant les travaux, ils ont massacré une bonne partie de la, mosaïque. Hein. Cette carte représentait la Terre Sainte à l'époque byzantine et avec au centre Jérusalem. Alors Jérusalem est totalement démesurée au niveau de l'échelle, c'est-à-dire que la carte est à une certaine échelle et Jérusalem prend beaucoup plus de place au sein de la carte que ce qu'elle n'est censée prendre. Cette carte, à la base, elle va du nord de ce qui est Israël aujourd'hui jusqu'au delta du Nil, pour vous dire. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est qu'on a réussi à la dater. Pourquoi on a réussi à la dater? Parce qu'on a trois bâtiments emblématiques de la Jérusalem byzantine qui sont le Saint-Sépulcre ici, l'église de la Néa ici et Hagia Sion ou Sainte Sion ici. Ici, vous avez le cardo central sur lequel on est. Et on sait que cette carte a été réalisée entre 550 et 614. Pourquoi? Parce que l'église de la Néa a été construite par Justinien, à peu près en 542. Cette église a été détruite par les Perses en 614. Cette carte a beaucoup aidé les archéologues à retrouver des lieux bibliques, donc mentionnés dans la Bible, mais dont on avait oublié le lieu physique, comme par exemple la grotte de Lot, encore une fois, sur le côté oriental de la mer Morte.
Et par exemple, cette carte a aidé les gens en général à comprendre pourquoi on appelle la porte de Damas en arabe Bab el Amoud, ce qui veut dire la porte de la colonne. On ne savait pas pourquoi. Quand on découvre cette carte, qu'est-ce qu'on voit ici ? Une colonne. Et quand les archéologues ont un peu travaillé, ils ont restauré la porte de Damas, ils ont réussi à fouiller un petit peu, et on a découvert la base de la colonne. Donc très émouvant témoignage de la Jérusalem chrétienne à l'époque byzantine.